Oui, sans aucun problème. À une époque où on doute de l'existence de Shakespeare, où Homère n'est plus qu'un mythe, il est facile de déduire que chez les intellectuels de notre descendance, il y aura toujours de gros malins snobinards et suffisantes pour sortir des trucs à leurs congénères du style. En réalité, Elvis n'a jamais chanté Blue Suede Shoes, ou Elvis était en fait un conglomérat d'artistes de l'Antiquité, de l'époque, etc., etc., jusqu'à ce que le pauvre Elvis disparaisse complètement. Mais bon, j'aurais pu aussi bien prendre les Beatles ou Valérie Damido, par exemple, voilà, bah, admirer. Me concernant. J'espère que la fin du monde arrivera avant le début de ce processus, grâce, je l'espère, au contenu hautement dérangeant de mon prochain livre. Et donc j'espère qu'une ère glaciaire bien drue, efface toute trace de l'humanité sur le long terme.